L'auteur présumé de la fusillade meurtrière dans une église de Charleston arrêté. L'homme auparavant identifié comme Dylan Roof, âgé de 21 ans, d'après son oncle, a été interpellé dans la ville de Shelby, en Caroline du Nord. D'après plusieurs sources, il aurait reçu son arme de son père comme cadeau pour son 21e anniversaire. Le jeune homme avait récemment été arrêté dans une affaire de drogue, puis pour violation d'une propriété privée. Très ému, Barack Obama a réagi depuis la Maison-Blanche. Le président américain, le premier Afro-Américain à ce poste, a de nouveau dénoncé des meurtres insensés, évoquant sa tristesse et sa colère. C'est maintenant, dit-il, le temps du deuil et de la guérison. Mais nous devons admettre que ce type de violence n'arrive pas dans d'autres pays développés. Le chef de la Maison-Blanche a de nouveau appelé à un meilleur encadrement des ventes d'armes à feu. Hier soir, la fusillade a fait 9 morts à Charleston, en Caroline du Sud, sur la côte est des États-Unis. Parmi les victimes figurent 6 femmes et 3 hommes, dont le pasteur de la paroisse, qui est aussi un sénateur local. La communauté noire leur a rendu hommage lors d'une veillée de prière émouvante mercredi soir, réunissant plusieurs autres communautés d'autres religions.